Voilà, là c'est le début de la Coupe du Monde là. Je suis le poteau. Regarde. Eh mon frère. Eh la France là, il dirait sur. Ouais, il a mis Djabi. Ah, il a fait ce que j'avais dit. La tête, j'ai pas vu. Si, il a viré mal là. C'est bon. Ouais. Pourquoi? Je pense qu'il paraît, c'est embrouillé. Eh, c'est chaud, hein. Là, pourquoi? C'est pas son Malouda. Malouda, c'est chaud. Là, ah ouais. Là, là, c'est dead. Ah non. Eh, c'est dead. Donc, tu fais des reportages, tu parles mal, mon frère. Ah, ça, c'est le poteau, ça. Ben Khaled. C'est un très, très grand footballeur. On va le revoir dans des autres vidéos, vous inquiétez pas. Bon. Nicolas Anelka. T'es pour qui? Aucun des deux. Aucun des deux. Pour toi, la France, c'est pas ton pays. Hein. Pas. Tu tiens pas la France. Hein. Là, on est avec Ibrahim. Ibrahim, parle-moi un peu de la Coupe du Monde. Là. Parle-moi un peu de la Coupe du Monde, s'il te plaît. J'aime pas. Voilà, bah, vas-y, parle-moi comme ça alors. Hein? Ça dit quoi pour la Coupe du Monde? La France pour toi? Ah, la France, j'espère qu'ils vont gagner. T'espères qu'ils vont gagner? À ton avis, ils vont gagner? Inch'Allah. Inch'Allah. Je vois un maillot que tu es barcelonais là. Pour le Barça, toi? Ça peut aller vite. Le jeu quasiment maintenant. Pourquoi tu veux que la France gagne en fait? Moi, j'ai mes réseaux. Je suis français. Parce que t'es français? Ouais. Ah, t'as la même raison que moi alors? Ouais. Et pourquoi encore? Parce qu'il y a que des noirs. Un diable de Diego Forlan, il est extrêmement, extrêmement, très, très fort. Il a dit un truc de ouf là. Extrêmement, extrêmement, très, très fort. Extrêmement, extrêmement. Il est fatigué. Il y a Malouda qui va rentrer. Mets Luder. Allez Malouda. Bon, allez les bleus. Allez les bleus. Vas-y Malouda. Match nul. Là, tu sais, mon frère. Voilà, début du match. Je suis chez la famille. Avec la tante et le cousin. C'est ma tante. Bonadji, ça bouti que je arrache mon. Non, 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 non. Il y a plus de 10 000 supporters mexicains et la France sont que 1 000. On n'est pas raconte ceci. Hein. Ah ouais. On raconte, hein. Et voilà. Le but du Mexique. Putain. Voilà. La France s'enfonce dans un gouffre. Bravo Raymond. Fallait le virer depuis longtemps. Depuis ce qu'il nous a fait pour à l'euro là, fallait le virer. Je pense que c'est fini pour la France. On est déçu de ce match. On attendait plus de... Au moins un minimum le match nul. Mais bon. Allez les bleus, on espère un coup de chance pour le prochain match. Mais bon. On est confiant. Mais bon. Voilà, on supportera notre équipe encore même.